Voici donc une nouvelle vidéo qui va concerner donc toujours le cosinus, la formule qui était démontrée. D'ailleurs, je le mettrai en lien par rapport à la vidéo précédente. Cosinus hyperbolique de x au carré moins sinus hyperbolique de x au carré, ça fait 1. Bon, j'ai démontré cette vidéo-là. Enfin, dans la vidéo précédente. Je mettrai d'ailleurs en lien, il y a une démonstration qui a été faite assez simplement. Bien sûr, au carré. Attention que c'est sinus hyperbolique. Carré. Bien, ça va être fait la démonstration, mais cette fois-ci, je vais attaquer une seconde méthode. Je vais faire par les exponentielles. Donc, c'est exponentielle de x, le cosinus hyperbolique c'est exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur au carré moins exponentielle de sinus c'est exponentielle de x moins exponentielle. J'ai oublié le 2, hein, je vais le mettre tout de suite. Celle de moins x sur o carré. C'est parce que je dois l'écrire par une barre. Alors c'est pour ça que quelque part. Et ça, je dois démontrer que ça fait 1. Alors la barre, je vais la mettre tout de suite. Bien sûr, il ne faut pas oublier la division par 2. Et la barre ici, la division par 2. Si vous mettez au carré, ra, exponentielle je fais le produit remarquable. Alors, au dénominateur, ça sera sur 4. 2 au carré, ça fait 4. Alors, x carré, ça fait exponentielle de. Exponentielle de x au carré, c'est exponentielle de x fois exponentielle de x, c'est-à-dire exponentielle de x plus x, hein, c'est-à-dire exponentielle de 2x. x moins 2x et bien sûr il y a plus l'exponentielle de moins x fois exponentielle de x, ce qui fait e de x fois e de moins x, ce qui fait ça colle égale e de x moins x, ce qui fait e de 0. Et E de 0, ça fait 1. Donc, ce qui veut dire qu'on aura le double produit ici, juste le double produit ici. Alors, je fais le même traitement de l'autre côté avec un moins. Je mets un moins et je fais juste une copie de ceci parce que tout va être la même chose. Si ce n'est que, bon, on aura un moins 2 à la place du plus 2. Alors, n'oublie pas qu'ici, il y a une parenthèse. Et si j'enlève cette parenthèse, ben, exponentielle de x moins exponentielle de 2, exponentielle de 2x moins exponentielle de 2x.
Rat 0. Ensuite, j'aurai exponentielle 2 fois exponentielle de moins 2x. Le tout fois 2. Ah non, on aura 0 aussi. C'est plus exponentielle de moins 2x moins exponentielle de moins 2x qui fait 0. Donc toutes les exponentielles tombent en fait. Toutes les exponentielles vont tomber. Il n'y a plus d'exponentielle. Exponentielle de 2x moins exponentielle de 2x, ça fait 0. Plus exponentielle de moins 2x moins exponentielle de moins 2x, ça fait 0. Et il va rester 2 moins moins 2, ce qui fait 4. 4 plus 4, ça fait 1. 4 sur 4, il va rester 4 sur 4. 4 sur 4, ça fait 1. Donc, cos carré de x moins sine carré de x égale 1. C'est une deuxième démonstration, c'est une deuxième manière de voir les choses. Quand j'avais déjà fait une démonstration auparavant, je mettrai le lien par rapport à la vidéo précédente. Je vous remercie.